Je veux marcher. Je veux courir sur la voie de l'éternité. Je veux marcher. Seigneur Jésus, c'est notre prière en ce jour. Nous voulons continuer de marcher sur ta voie, sur la voie de l'éternité, être dans tes bras, te suivre sur le chemin que tu as tracé. Saint-Esprit, je prie afin que tu m'accordes la grâce de parler fidèlement de toi. Merci pour ces hommes et ces femmes extraordinaires, Seigneur Dieu, qui sont là, ici dans cette salle, dans les cultes précédents et en ligne, et partout dans les églises, vases d'honneur et dans le monde entier assemblé. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour leur vie. Accorde-moi la grâce et l'esprit de parler des choses que tu as mises dans mon cœur et que ces paroles-là transforment nos vies. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus, amen. Voilà, je veux dire merci aussi à Maman Simone qui m'a fait un beau cadeau. Je suis content de la voir. Amen. Voilà, elle n'était pas au pays pendant un moment. Donc, elle n'était pas au pays pendant un moment, puis elle est arrivée le jour de l'anniversaire. Donc, ça me touche avec... Merci. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Alors, mon message est la suite du message du dimanche dernier. J'avais dit que je voulais, normalement, ça allait le prendre deux dimanches. Dimanche précédent et aujourd'hui. Mais dans la vie, on peut partout, l'Esprit du Seigneur a commencé à mieux développer le message dans mon esprit. Du coup, je me dis, ah, c'est pas, on risque de ne pas finir aujourd'hui. Donc, j'avais dit qu'on allait achever cela aujourd'hui, mais on risque de ne pas le finir aujourd'hui, sinon on ne va pas le finir aujourd'hui. Amen. Amen. Mais c'est un message vraiment qui est pour moi une grande clé et qui caractérise ma marche avec le Seigneur. C'est pourquoi on a chanté « Je veux marcher ». Qui caractérise ma marche avec le Seigneur. Les choix que je fais, les décisions que je prends. Ça caractérise aussi mes échecs. Quand j'ai pris les mauvaises décisions, quand j'ai fait les mauvais choix. En fait, nos vies sont marquées par ce message-là. Les choix, nos choix. Amen. Dieu nous a donné une voix, un conseil qui est toujours là à côté de nous et qui nous parle, qui nous montre le bon chemin. Depuis même l'Ancien Testament, Job disait que Dieu nous avertit toujours par des songes, par des visions. Dieu nous montre tout le bon chemin. Mais il y a en nous beaucoup de voix, beaucoup d'intérêts, beaucoup de choses qui se passent en nous qui nous amènent à prendre d'autres décisions, à faire d'autres choix, ce que nous estimons être bien. Jésus résume cette victoire, la capacité de suivre les options, bien les choix que Dieu nous propose. Jésus résume cela en disant, au travers de l'apôtre Paul, « Marchez selon l'Esprit. » Marchez selon l'Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque l'Esprit de Dieu te dit à gauche, à droite, lorsqu'il te demande de faire certains choix, suis-les, marche selon le Saint-Esprit. Il dit, tu vas triompher de la chair. Pourquoi triompher de la chair? Parce que la chair, le sang, ont des voix et parlent. Un jour, en Matthieu chapitre 16, Jésus a demandé aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns ont répondu d'une façon, les autres d'une autre. Et puis Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit, « Pierre, tu sais, cette parole que tu viens de dire ne vient ni de ta chair, ni de ton sang, ça veut dire de ton âme, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Ça veut dire que la chair parle, le sang parle. Mais si nous arrivons à écouter ce que Dieu nous dit, et il dit à Pierre, « Suis la base de ta révélation, je bâtirai mon église. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » C'est-à-dire que celui qui arrive à suivre la voie de Dieu en lui est inébranlable. La victoire est son partage. Le triomphe est son partage. Que cela soit ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc mon thème du dimanche dernier, donc que nous continuons aujourd'hui, donc le grand thème, c'est comment marcher selon l'Esprit. Comment marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit. Donc Esprit avec grand E, où tu peux dire comment marcher selon le Saint-Esprit. Dis avec moi, je marche selon le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, ma soeur, oui, mon frère, dans toutes les voix, les suggestions que tu entends à l'intérieur de toi, il y a une voix, la voix de Dieu. La voix de Dieu ne va jamais t'amener dans la destruction. La voix de Dieu va te faire choisir le chemin de la réussite. Lorsque l'insuccès, l'échec, les malheurs chroniques persistent, c'est que tu as écouté, tu as suivi
une voie que tu n'aurais pas dû suivre à un moment donné. Tu t'es engagé sur des chemins dans lesquels tu n'aurais pas dû t'engager. Je disais dimanche dernier, si tu demandes à ceux qui sont en train de se séparer dans le cas du mariage, ils t'auraient dit, il y a un moment donné, je n'aurais pas dû écouter cette voix ou cette conviction ou mes émotions qui m'avaient dit, marie celui-là ou marie celle-là. À un moment donné, il y a une voix qui a tourné en toi. Il y a un sentiment qui est venu. Il y a des émotions qui se sont levées et qui t'ont rendu amoureux de la personne ou amoureuse. Et peut-être aujourd'hui, tu as du regret. Il y a des choix, des volontés qui t'ont fait rentrer dans des affaires. Et aujourd'hui, tu regrettes parce que tu as perdu beaucoup d'argent. Il y a des choix, des décisions que tu as dû prendre qui t'ont fait faire, qui t'ont créé des problèmes. Et si c'était à refaire, tu aurais évité. Mais tu aurais pu ne pas tomber. Amen. Si tu arrivais à marcher selon l'esprit. L'apôtre Pierre a été surpris quand Jésus lui a dit, ce que tu viens de dire là, ça vient de Dieu. Ça veut dire, lui pour lui, il donnait un avis. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. On dit, ah mais c'est Dieu qui a parlé. Mais à quel moment Dieu parle? À quel moment c'est notre chair? À quel moment ce sont l'influence de la voix des autres? Comment on arrive à marcher selon l'esprit? C'est de ça ton pas, on va parler. Que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu saisis cette victoire là dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alors, j'aborde ce thème-là dans le cadre de la quatrième bénédiction. Amen. La quatrième bénédiction qui est dans cet ouvrage. Donc, ce que je vais traiter, ça fait partie du chapitre de ce livre. Amen, amen, amen. Ça fait partie des chapitres de ce livre. Alléluia. Et la quatrième bénédiction, il faut savoir que tout chrétien a toutes les sortes de bénédictions, selon ce que Jésus a dit. C'est-à-dire, ce que je vais te dire de faire est déjà en toi. Amen. C'est déjà en toi. Si je dis à quelqu'un, je te donne un commandement, je te dis, parle en français. Ça veut dire que je sais que tu peux le parler, tu peux parler. Quand Dieu dit, fais ceci ou fais cela, ça veut dire que tu as la capacité. Tu ne peux pas regarder un chien et puis lui dire, parle en djoula. Un chien. Si tu lui dis, parle en djoula, c'est que tu es fou. Parce que le chien n'a pas la capacité. Alors, quand Dieu demande à une personne de faire quelque chose, ça veut dire que la capacité est en elle. Amen. On ne demande pas de faire une chose à quelqu'un qui n'en a pas le pouvoir. Ok? Mais si on lui demande de faire, c'est parce qu'il peut le faire, mais il peut ne pas le faire aussi. Tu peux le faire. C'est dans tes cordes. C'est dans tes cordes. Amen, amen, amen. Alors, la quatrième bénédiction, elle est en toi. Et la quatrième bénédiction dit ceci, que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. C'est la bénédiction qui parle du commencement et de l'arrivée d'un cheminement, d'un chemin. Donc, c'est la bénédiction qui parle de la vie. Elle dit que tu vas réussir le début de ta vie, tu vas réussir la fin. Tu vas réussir le début de tes affaires, tu vas réussir la fin. Tu vas réussir le début de ton mariage, tu vas finir ton mariage avec gloire. Tu vas commencer tes affaires avec grâce, tu vas finir encore avec la gloire. C'est la bénédiction qui encadre le début et la fin. Quand on dit tu commences, ton arrivée est bénie, ton départ est béni, ça signifie aussi qu'il y a un chemin que tu prends. Ça signifie qu'il y a une progression, il y a une marche. C'est pourquoi j'ai appelé ça marcher selon l'esprit. Et dans le livre, je t'ai appris que par exemple, pour commencer quoi que ce soit, il faut avec le Saint-Esprit savoir lui poser 5 questions. Amen. Il faut écouter. L'Esprit de Dieu va te parler de 5 choses. Quand par exemple, si Dieu met dans ton cœur comme ça un projet, il te dit je vais faire ça avec toi. Quand il dépose cette voix-là en toi, en même temps qu'il la donne, il y a à peu près 5 réponses qu'il veut te donner. Qui vont te venir par des songes, par des rêves, par des amis. Pendant que tu es en train de parler avec des personnes, les orientations vont venir. L'orientation du lieu où tu dois commencer ton projet arrive toujours. Il suffit que tu rates le démarrage de ton projet dans le lieu où il est pour que tu te crées des problèmes. Il faut savoir ça. Amen. L'Esprit peut te dire, je vais te conduire. Tu vas réussir dans le commerce d'épargne. Ok, mais tu ne peux pas réussir dans le commerce de pain en tout lieu et en tout endroit. Ton commerce de pain ne peut être béni que s'il commence dans un endroit précis. Toute bénédiction de Dieu est rattachée à un territoire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il ne s'agit pas de savoir ce que tu dois faire seulement. Il s'agit aussi de savoir où et il s'agit de savoir quand tu dois commencer. Si tu commences un projet que Dieu t'a donné avant son temps, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et tu auras l'impression que Dieu ne t'a pas dit de le faire. Donc souvent, on se dit, mais vraiment, j'ai eu un rêve. Je me suis vu. Et puis la manière dont les portes sont ouvertes, je sais que Dieu est dans ce projet. Oui, mais Dieu peut être là. Mais il y a 5 trompettes qui doivent sonner. Il y en a une qui doit te dire quand.
Il y a une qui a annoncé l'arrivée de Jésus et il y a une trompette qui a sonné pour dire, bon Jésus, tu commences ton ministère à 30 ans. Si Jésus commençait à 22 ans, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand Dieu te donne une orientation, il y a 5 réponses qui arrivent en même temps. 5 questions que toi tu poses et 5 questions qui viennent. Les réponses là te sont données par le Saint-Esprit. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est lui qui te dit quand tu te trompes. C'est lui qui oriente tes pas. C'est l'Esprit de Dieu. Si tu as besoin de guérison, qui va te guérir. Si tu as besoin d'une formation, c'est lui qui va te former. Que le Saint-Esprit soit sur toi. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est lui qui va te conduire et qui va t'amener à bon port. C'est lui qui parle, c'est lui qui donne, c'est lui qui dit arrête-toi ici. C'est lui qui dit aujourd'hui ne sors pas, c'est lui qui dit aujourd'hui sors. C'est lui qui dit va rendre visite à un tel, c'est lui qui dit ne lui rends pas visite. C'est le Saint-Esprit qui est l'idée, ça ne vient pas souvent par des voix que tu entends. Ça vient par un ensemble de choses, mais tu sais que c'est lui. Dans toutes les idées qui te viennent, il y a sa voix au milieu d'entre elles. Et beaucoup d'autres voix vont t'amener dans le décor, mais sa voix te conduira. La Bible dit ceci. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire quand l'esprit opère, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur. Par le Saint-Esprit, que le fruit de l'esprit soit manifesté dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu ne te conduira pas dans un foyer pour que tu passes toute ta vie à pleurer. Dieu ne te conduit pas dans un travail pour que tu passes toute ta vie à être amer. Dieu ne va pas te conduire dans une situation pour te créer des problèmes. Il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Le malheur vient de ce que tu as entendu une autre voix. Tu as commencé par l'esprit, mais tu as fini par la chair. Ou à un moment donné, les deux sont mélangés. Mais par la parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu te délivre des mauvais choix et t'oriente dans les bonnes décisions. Il en est ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je marche selon l'esprit. Je marche selon l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, dimanche dernier, je t'ai dit que marcher selon l'esprit, ça veut dire 3 choses. Ou bien il y a 3 sous-entendus. Amen, amen. J'ai fouillé dans la parole de Dieu, tu vois, l'expression marcher, c'est-à-dire avancer dans la vie, là. Avancer. Et j'ai vu que Dieu donnait 3 expressions pour parler de marcher avec Dieu. Et chacune de ces expressions transporte une vérité importante qui font que si tu les appliques, ça devient très simple. De marcher selon le Saint-Esprit. Très simple. Ça simplifie la marche selon le Saint-Esprit. Quand on dit marcher selon le Saint-Esprit, il y en a qui me dit, mais pasteur, moi je veux marcher. Attends, qui veut marcher selon le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Tout le monde veut ça. Tout le monde. Alors la plupart des personnes, lorsqu'ils disent marcher selon le Saint-Esprit, ils te posent la question. Ils disent, mais pasteur, j'ai besoin de reconnaître. Comment on reconnaît? Ça, c'est la question qui vient. Comment on reconnaît la voix de Dieu? Mais il ne faut pas commencer par ça. Amen. Le message que je vais te donner te donne 3 étapes. Mais 3 choses qui sont incluses dans marcher selon l'esprit. Alors marcher selon l'esprit, c'est Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est Galates 5, 16. Amen. Maintenant, les 3 choses. La première d'entre elles, marcher selon l'esprit, ça signifie marcher avec Dieu. Ça signifie marcher avec Dieu. 1. 2. Ça signifie marcher devant la face de Dieu. 3. Ça signifie marcher par l'Esprit de Dieu. Je reprends. Marcher selon le Saint-Esprit, c'est égal. Où ça signifie? Dis avec moi, marcher avec. Amen. Marcher devant sa face. Marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que ces 3 aspects-là soient dans ta vie au nom de Jésus. Alors, quelqu'un qui fait ces 3 choses-là, il va marcher selon l'Esprit. Et les 3 choses ne sont pas difficiles. C'est une manière simple de t'aider à saisir comment on arrive à entendre la voix de Dieu, comment est-ce qu'on arrive à le suivre facilement. Dis à un voisin, c'est facile. C'est même intéressant. Ta vie va changer. Tu vas aller loin. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc marcher selon l'esprit, c'est marcher avec Dieu, marcher devant sa face.
Alors, marcher avec Dieu, je t'avais cité que c'est la première marche qui est mentionnée même dans les Écritures. On le trouve en Genèse chapitre 5, verset 22. Il est dit, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc voici l'expression, marcher avec Dieu. Marcher devant sa face, c'est ce que Dieu a recommandé à Abraham. En Genèse chapitre 17. En Genèse chapitre 17, verset 1, il est dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Donc vous ne voyez pas, Dieu ne dit pas à Abraham, marche avec moi. Amen. Il dit, marche devant ma face. Ça signifie quoi? Alléluia. Et chacune de ces expressions-là est répétée plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, vous allez voir marcher devant la face de Dieu en 2 Rois chapitre 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur. Psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont là-bas de son trône. La bonté et la fidélité sont devant ton bras. Donc, il y a beaucoup de passages sur marcher devant la face de Dieu. Donc, il y a marché avec Dieu, il y a marché devant la face de Dieu. Amen. Et puis, il y a marché par l'Esprit. Alléluia. Qu'on trouve donc en Galates chapitre 5, verset 25. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, vive par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans notre version, c'est marchons aussi par l'Esprit. Amen. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Alors, aujourd'hui, plus précisément, je vais m'attarder sur la première manière de marcher selon l'Esprit, c'est marcher, comment? Avec Dieu. Marcher avec Dieu. Alléluia. Alors, les trois choses-là, c'est pas difficile pour comprendre là, ce que ça signifie. Bon, viens roulant. Amen. Marcher avec quelqu'un. Lui, il va marcher avec moi. Marche avec moi. Il marche avec moi. Donc si tu marches avec moi, hein? Il marche avec moi. Amen. Alors, marcher avec quelqu'un, le premier synonyme, c'est suivre la personne. Voilà, je vous ai dit dimanche dernier que le premier nom qu'on cite, on dit, ou bien le, marcher avec, celui avec qui on marche, c'est celui qui mène la marche. Amen. Celui avec qui on marche, on dit je marche avec un tel, c'est que c'est le tel là qui mène un peu la marche. Voilà, c'est où lui va, je l'accompagne en fait. Je marche avec lui. Si on dit il marche avec moi, ça veut dire c'est moi qui suis la locomotive. C'est ça? Et puis il marche avec moi. C'est pas moi qui marche avec lui. C'est lui qui marche avec moi. Moi je vais quelque part et lui il marche, il m'accompagne. Amen. Donc marcher avec une personne, c'est accompagner la personne. C'est ça, on est d'accord, non? Alléluia. Marcher devant la face. Il faut voir ça très simple. Amen. C'est marcher sous le regard. Amen. Donc, je te regarde. Marche devant ma face. Non, toi, tu ne m'as pas devant ma face. Alors, marcher devant la face, c'est simple. C'est de regarder où va la face de la personne. Et puis de marcher devant. De sorte que, si par exemple, mes regards sont ici, c'est d'aller vers là où je vais. Donc, celui qui marche devant la face est quelqu'un qui est constamment en train de consulter ta face. Il est en train de regarder pour voir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. Voilà. Tandis que celui qui marche avec, il te voit en mouvement et puis il va avec toi. Celui qui marche devant ta face, même si tu es à l'arrêt, il te regarde et il suit ta face, ton sourire, ton regard, ta joie. Il voit ce qui t'attriste et puis il ne fait pas ça. Il regarde, il cherche ce qui te plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Marche devant la face de Dieu, au nom de Jésus. Et ça aussi, c'est très simple. Marcher devant la face. Amen, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, marcher par, ça veut dire quoi? Bon, on va faire court. Je sais que tu sais déjà. Si je dis je marche par l'Esprit, ça veut dire que
c'est mon moyen de marche. Je marche. C'est-à-dire, l'Esprit est ma... Je m'appuie sur lui pour marcher. Je marche par l'Esprit. Amen. Il est ma source. Il est ma force. Il est mon soutien. C'est ça, marcher par... C'est par lui que je réalise cela. C'est lui qui m'a donné les forces de le faire. C'est par lui que j'ai fait. On dit, comment tu as fait des exploits? Non, c'est par lui. Ce n'est pas par les ressources d'autres personnes. Mes ressources ne viennent pas des hommes. Ça ne vient même pas de moi-même. Ça vient de lui. Donc, marcher par l'Esprit, c'est trouver ses ressources, sa force de l'Esprit. C'est celui qui marche par sa force. C'est-à-dire, il s'appuie sur sa propre force. Donc, quelqu'un veut, il y a des gens qui veulent suivre le Saint-Esprit par leur propre force. Vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit, Saint-Esprit, je vais t'accompagner. Mais la vitesse que peut prendre Dieu, tu ne peux pas le suivre. Donc, tu as besoin de sa force. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, celui qui marche par l'Esprit, c'est un peu comme si l'Esprit même le soulève. Et puis, il le transporte. Marche par l'Esprit au nom de Jésus. Marche par l'Esprit au nom de Jésus. Marche par l'Esprit. Alléluia. Alors, maintenant, aujourd'hui, on va travailler sur marcher avec. Assieds-toi 2 minutes, tu reviens tout de suite. Marche avec l'Esprit. Bon, j'ai envie de dire plutôt marche avec Dieu. Alors, je vais gagner du temps, hein, je ne vais pas prendre le temps de tout expliquer. Mais marcher avec Dieu, c'est aussi marcher avec Jésus. Amen, amen. Jésus est Dieu, bien sûr. Jésus est le berger. C'est tout le message de Jésus qu'on puisse marcher avec lui. Il dit, je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. L'Éternel est mon berger, c'est-à-dire il me conduit dans de vrais pâturages. Donc marcher avec Jésus, c'est accompagner Jésus, c'est suivre Jésus. Alléluia. Mes amis, c'est la première étape. Si vous voulez apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit, si vous voulez sentir ce que l'Esprit veut, si vous voulez arriver à triompher des millions de voix qui parlent en vous-même et qui vous donnent différents conseils, il ne faut pas chercher d'abord à dire, Saint-Esprit, je vais apprendre à reconnaître ta voix. Ne cherche pas à reconnaître la voix. Cherche à marcher avec lui. À marcher avec Dieu. Si tu cultives l'art de marcher avec Dieu, tu vas connaître la voix de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu dois marcher avec Dieu. Alléluia. Ne pas marcher avec Dieu crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes. Alors, que peut signifier déjà même encore marcher avec Dieu? Mais c'est quoi le temps de marcher avec Dieu? Matthieu chapitre 16, verset 24. On va lire ensemble. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alors, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut m'accompagner, ça veut dire si quelqu'un veut me suivre, ça veut dire si quelqu'un veut marcher avec moi. Si quelqu'un veut marcher avec Jésus, Jésus lui dit 3 choses. 1, renonce à toi-même. 2, charge-toi de ta croix. Et 3, suis-moi, c'est-à-dire fais ce que je fais. Donc, pour marcher avec Jésus. Attends, je te pose encore la question. Qui veut marcher avec Jésus? Vous voulez marcher? Lève bien la main. Tu veux marcher? Si tu arrives, tu vas réussir dans la vie. Hein? Tu seras béni. Tu vas voir comment tu es béni à ton départ. L'Esprit va te mettre en, l'Esprit va te protéger. Il va t'éviter les faux coups. Amen. Pour marcher avec Dieu, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher avec moi, il faut qu'il renonce à lui-même. 1. Il faut qu'il se charge de sa croix. 2. Ça ne veut pas dire la même chose. Et 3. Il faut qu'il me suive. Dans la version du semeur, on comprend mieux. Il est dit dans la version du semeur, il est dit, Matthieu 16, 24, dans la version du semeur, lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dis avec moi, Jésus, je veux marcher avec toi.
Je veux marcher avec toi. Donc Jésus dit, premièrement, tu dois faire quoi? Renonce à toi-même. Amen. Alors, même ça même, Jésus n'a pas besoin de l'expliquer. Parce que tu ne peux pas marcher avec une personne si tu ne renonces pas à toi-même. C'est bien encore. Marche avec moi. Marcher avec moi, il doit lui-même renoncer à ses propres destinations. Il doit renoncer au chemin qu'il avait voulu emprunter. Tu ne peux pas suivre une personne en ayant toi-même ton propre programme. Décider de suivre une personne, indirectement, ça signifie, ou même directement, mais ça signifie, bon, je mets de côté, là où moi-même je voulais partir, je mets ça de côté, et puis là où tu t'en vas là, là où tu pars, j'irai. C'est ce que Jésus a dit. Si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Alléluia. Amen. Bon, attends un peu à côté. Tu me suis, hein? Tu me suis trop. Bon, c'est bien, mais attends. Amen. Alors, tout à l'heure, quand il va revenir, il sera dans le rôle de Jésus. Moi, je vais te montrer comment la plupart font avec Jésus. Renoncer à soi-même. Écoutez, quand vous venez à Christ, je vois beaucoup de côté prier parce que je vais apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Jésus ne dit pas, Jésus ne commence pas à apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Non. Non. D'abord, renonce à toi-même. Si tu avais tes projets, si tu avais tes objectifs, quand tu veux marcher avec Jésus, tu dois prendre tes rêves, tes visions personnelles, tes projets personnels, et puis les mettre de côté. La vie chrétienne commence par cela. Vous ne pouvez pas chercher à dire, oh Esprit de Dieu, montre-moi qui est mon mari. Il dit, ma fille, on ne commence pas par ça. Dans la vie, tu veux quoi? Seigneur, je suis venu à l'église, mais je veux me marier. Il dit, renonce-y d'abord. Si tu veux me suivre, renonce à ton projet. Il dit, non Seigneur, je veux venir à l'église, mais... honnêtement, Jésus, tu veux voyager. Il dit, si tu veux marcher avec moi. Parce que toi-même, là, c'est ton projet de voyage. Il dit, faut y renoncer. Il faut que tu renonces à ça. Renoncer, oui, il faut que tu renonces. Jésus, avec toi, je vais avoir un PhD. Il dit, renonce. Quand vous venez suivre Jésus, vous ne pouvez pas le suivre avec vos projets. Vous devez les laisser de côté un moment. Sinon, ce n'est pas toi qui le suis. C'est lui qui te suit. Alors, voilà ce qui se passe le plus souvent. Viens maintenant. Là, maintenant, moi, je suis le prieur. Lui, il est Jésus. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Oh, Jésus, qui est bon comme toi? Jésus, je veux marcher avec toi. Tu dis, je veux marcher, mais à la fin, tu vas voir qui marche avec qui. Jésus, on dit que quand tu es dans ma vie change. C'est vrai? C'est vrai. Jésus, je veux me marier. Viens. Jésus, regarde mon mari là. Il ne marche pas bien. Change-le, Jésus. Jésus. Mais Jésus. On a dit qu'avec toi, il y a la victoire. Jésus. Bon, s'il t'a un peu aidé. Jésus, viens. Regarde, j'ai un commerce là. Attends, dis-moi même. Je veux un commerce. Je fais un loco. Je fais quoi? Non, dis-moi, on bénit quoi? Suis-moi. Alors, viens dans mon commerce d'épargne. Jésus. Oh, il y a trop de sorciers dans les commerçants d'épargne. Paralyse-les pour mon nom de Jésus. Jésus, je vais me marier, mais chez moi, là, il y a les sorciers. Ils s'opposent à ma vie. Viens, détruis-les. Rakata. Jésus, je veux voyager. Tu es au courant? Depuis que je suis enfant,
J'avais l'impression que je vais aller vivre aux États-Unis. Jésus, ouvre-moi la porte. Regarde le gars du visa là. Change son cœur. Rekatarababa. Jésus touche le cœur de l'ambassadeur du consul. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas en refuser le visa. Jésus, tu n'as pas dit que si tu es moi, j'aurai la victoire. Je t'ai dit de paralyser le cœur du monsieur. On m'a refusé le visa. Jésus, bon, c'est les épreuves, non? C'est les épreuves. Je dois persévérer. D'accord. Donc, si aujourd'hui je ne vais pas en Europe, viens moi. Bon, comme je ne suis pas parti là, j'ai un autre plan. Je vais faire l'immobilier. La dernière fois, quand on était au culte, le pasteur a prêché. Il dit on aura des maisons. Donc, dans l'immobilier là, montre-moi quel terrain. Jésus, je crois que je veux construire vers Bergerville. Que penses-tu des terrains de Bergerville? Jésus, bon, tu te reconnais. Alléluia. Amen. Donc, dans cette affaire-là, qui marche avec qui? Qui suis qui? Mais vous venez à l'église, vous venez à l'église, on veut que Jésus les suive. Est-ce que vous avez déjà lu un verset qui dit « Je te suivrai » Jésus dit toujours aux gens, toi là, suis-moi. Ça veut dire qu'il a un programme. Ça veut dire qu'il a un projet. Ça veut dire que Jésus s'en va quelque part. Jésus nous demande, suivez-moi. Mais nous voulons que Jésus nous suive dans nos projets de mariage, dans nos projets de voyage. Nous voulons que Jésus nous accompagne dans tous nos rêves, dans toutes nos visions. Nous avons des plans et nous voulons que Jésus vienne après nous. Nous voulons que Jésus nous accompagne. Mais Christ n'a jamais dit ça. C'est la raison pour laquelle nous ramassons échec après échec, frustration après frustration, et nous ne lisons pas bien les textes. Jésus n'a pas dit « Je te suivrai ». C'est toi qui dois le suivre, toi qui dois le suivre, toi qui dois le suivre, voisin, suis-le. Alléluia. On doit suivre Jésus et non pas être suivi par Jésus. C'est une vie. Nous vivons une vie chrétienne centrée sur nous-mêmes. Nous prions pour que Jésus s'occupe de nous, pour qu'il nous ouvre des portes. C'est nous qui sommes le centre. Tu es le centre. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu veux inverser le sens de la vie chrétienne. Tu as donné ta vie à Jésus, mais c'est Jésus qui a donné sa vie à toi. Tu dis, je t'ai donné ma vie, mais dans la pratique, qu'il te donne son pouvoir, qu'il te donne sa force, qu'il te donne ses interventions, qu'il t'ouvre les portes, qu'il te montre. Ça veut dire, tu es le centre de l'histoire. Jésus dit, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Osons suivre Jésus, frère. Osons renoncer. Et nous allons voir ce qui va se passer. Tu peux t'asseoir. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Alléluia. Il dit, Marc chapitre 10 à partir du verset 28. Marc 10, 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Alléluia. Jésus a utilisé deux mots pour traduire ce que quelqu'un va gagner maintenant. Il dit que qu'il ne reçoive présentement, dans ce siècle-ci, les choses qu'il vient de perdre au centuple. Amen. Qu'il ne dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Vive les persécutions. Amen. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, les maisons multipliées par 100, ce n'est pas au paradis, c'est dans ce siècle-ci. Les familles, la maison multipliée par 100, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'une famille, ce qu'une maison peut t'apporter, si tu fais ce qu'il a dit plus haut, tu vas recevoir ça 100 fois plus. Si une maison te donne du repos, qu'au préalable, tu as renoncé à ta maison. Parce que quand on dit renoncer à toi-même, c'est ta maison. C'est tes projets de maison. Renoncer à toi-même,
C'est ta famille. Ta famille est trop importante pour toi. C'est pour ça que tu ne peux pas bien servir. Tu ne peux pas suivre Dieu. En fait, Jésus n'a qu'à venir te suivre pour bâtir toi ta maison. Jésus n'a qu'à venir te suivre pour sauver toi, tes parents, sauver ta famille, s'occuper de tes biens, de toi. Jésus te dit ceci. Il dit, si tu veux venir après moi, à cause de l'évangélisation, de l'évangile, ta famille, tout ce qui est à toi, là, les choses auxquelles tu es attaché, laisse-les. Suis-moi. Et je te dis. Et puis Jésus même met au défi. Il dit, je vous le dis en vérité. Pour dire que c'est la vérité, il n'y est personne. Ça veut dire, je mets quiconque au défi. Quiconque au défi. Mes amis, moi-même, je considère que ma vie est un fruit de ce passage. Voilà. Il y a un moment donné, à cause de Jésus, mes parents disent, il ne faut plus aller à l'église. J'ai renoncé. J'ai pas, renoncer, ça ne veut pas dire renier les parents. Renoncer, ça ne veut pas dire renier. Ça veut dire mettre toutes ces choses-là en seconde position pour obéir à Dieu. Ça a été un choix difficile. Je faisais des études pour devenir grand, comment dire, grand quelqu'un. Mais j'y ai renoncé. Ce n'est pas dire que j'ai renié les études. Ça veut dire que j'ai converti mes études comme étant un moyen, pas pour m'enrichir, mais pour être un témoignage de Dieu. J'ai renoncé. Renoncer, renier ne veut pas dire la même chose. Renoncer, ça veut dire tout ce que ça m'apportait, je renonce à mes intérêts. Je fais en sorte que toutes ces choses-là soient pour tes intérêts. Si je viens à les perdre physiquement, que ton nom soit béni. Mais ma vie entière, j'y renonce. Je ne vis plus pour mon plaisir. Si tu veux marcher avec une personne, tu es obligé de renoncer à ce que toi-même tu avais prévu faire dans la journée. Si tu choisis, tu dis aujourd'hui, cette journée-là, je serai tous les jours avec Pasteur Sanogo, ça signifie que tu as effacé dans ton programme de la journée ce que toi-même tu prévoyais faire afin de savoir ce que lui il fait et de le suivre sur ce que lui il fait. Dieu dit, ose le faire. Quels sont tes projets pour ta maison? Renonce-y. Pour le royaume. Renonce-y. Et Dieu te met à l'épreuve. Il te dit, il n'y a personne qui l'a fait, qui n'a obtenu au centuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, regardez, quand je vois toutes ces milliers de gens, j'ai compris que quand tu perds ta maman, tu obtiens des milliers de mamans. C'est-à-dire le nombre de mamans, de papas qui t'écrivent pour te bénir. Pour... C'est-à-dire que les frères, c'est-à-dire j'ai mes frères biologiques qui sont là. Dieu les a protégés, Dieu les a gardés. Mais il y a un moment où dans la famille, tout le monde m'a regardé bizarrement. Mais je ne faisais pas pour les abandonner. Parce que l'appel. En fait, j'ai compris que Dieu a fait ça pour les sauver. Ouais. Dieu a fait ça pour les sauver. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Renoncer, ça veut dire faire de Jésus ta priorité. T'investir sérieusement pour le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Le mettre en premier. Il dit, ça ne veut pas dire renier, mais c'est comme un ordre de priorité. La vision de Dieu, les objectifs de Jésus deviennent tes objectifs. Tu lis la Bible, non pas pour chercher à voir comment toi tu vas gagner tes examens, mais pour chercher à voir comment lui va gagner. Tu t'approches dans la prière, non pas pour chercher à ce que toi tu gagnes, mais à ce que lui gagne. Ce qu'il gagne. Ça prend du temps de renoncer, d'être là et puis de commencer à réfléchir aux autres pays, de prier pour eux. De prier. Alléluia. Votre amen n'est pas bien. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ça, c'est le renoncement physique. Il y a le renoncement émotionnel. Il y a le renoncement émotionnel. Dans le livre de Luc, chapitre 9. Luc chapitre 9, il y a quelqu'un, ça c'est les renoncements émotionnels. Bon, d'abord c'est le physique, il y a une personne qui voulait suivre Jésus. Il dit, Seigneur, je veux te suivre partout. Jésus dit, les oiseaux du ciel ont déni, les renards des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Là, Jésus est en train de lui demander, quand tu veux me suivre, ton objectif de dormir, d'être à l'aise physiquement, n'est plus une priorité. Si je dors,
à la belle étoile, tu dormiras à la belle étoile. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce genre de renoncement qui vous amène à aller quelquefois même en Centrafrique pendant qu'il y a la guerre. Parce que tu as renoncé à ta vie. À dormir dans des endroits pour l'évangile où tu ne sais même pas comment te laver. Pour l'évangile de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas aller à l'évangélisation, qui ne veut pas servir Dieu, parce que c'est pas si la chambre sera climatisée, parce qu'il a peur de 3 moustiques. Amen, amen, amen. Ça, c'est le renoncement. Il dit les oiseaux du ciel ont déni. Là, comme pour donner le verset, c'est quoi? C'est Luc 9, 23. Les oiseaux du ciel ont déni, les renards des tanières. Amen. Voilà, 57, 58. Jésus dit les renards des tanières, les oiseaux du ciel ont déni. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Mais, verset 57, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à un autre, suis-moi. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Donc Jésus dit, Jésus lui répondit, les renards des tanières. Alléluia. Quand tu viens sur Jésus, sois prêt. Il y a des gens qui vont me dire, parce que si je n'ai pas dormi dans une maison, ce n'est pas bien. Je dis, mais tu sais que dormir dans la rue, là, ce n'est pas un péché. Hein? L'évangile peut t'amener, tes parents peuvent te chasser. Tes parents, la famille peut te chasser. Et tu dors dehors à cause de l'évangile. Le film là vous plaît pas. Hein? Vous voulez toujours. Viens faire notre. Jésus! 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 Viens dans ma maison. Bénis ma maison. Que ma maison soit climatisée. Non. Frère, tout autre évangile qu'on prend là, c'est pas le message. Jésus là, c'est ce que je t'ai dit là, c'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi ta vie ne marche pas, parce que vous voulez changer l'évangile. Les gens sont obligés de faire un évangile blagué. Viens à Jésus, tu vas voyager. Alléluia, avec Christ tu voyages. Avec Christ, tu vas avoir une grande maison. Avec Christ. Frère, il y a combien qui ont une grande maison depuis lors? Oui, c'est bon étant en tant qu'on s'encourage. Mais moi, Jésus donne des grandes maisons. Mais des maisons avec beaucoup de paix. Mais avant la grande maison de beaucoup de paix, il faut renoncer à la première. Et il faut que tu aies confiance. C'est pourquoi il dit, je te dis en vérité. Je te dis en vérité. Ça dit, il faut que la maison même là ne soit rien pour toi. Écoutez, toute souffrance vient de ce à quoi vous êtes attaché. Ce sur quoi vous êtes attaché. Si tu es beaucoup attaché à un monde, si tu la perds, tu vas souffrir. En fait, Jésus ne parle pas pour lui, il parle pour toi-même, pour ton âme. Tu n'es pas heureux parce qu'il y a des choses passagères auxquelles tu es attaché. C'est ce qui fait ton malheur. Ton malheur, c'est que le diable peut trouver ta maison, mais tu es trop attaché à la maison. La maison n'est rien. C'est toi qui es plus que ça. Mais il y a des choses auxquelles tu t'es attaché. Il te dit, renonce-y. En vérité, Dieu n'a besoin de rien. Tu vas lui apporter quoi? Mais ce qu'il dit, c'est pour toi-même. L'homme entend beaucoup de voix qui le désorientent parce que tu entends les voix de tes attachements. Tu es tellement attaché à la chose que le jour où elle commence à la paix, tu commences à paniquer, tu perds tes moyens, tu deviens irritable. Mais si tu renonces à ça, tu serais heureux. Parce qu'une fois que tu renonces, Dieu peut te donner ça même par millions. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si tu es attaché à l'argent, je ne te donne pas l'argent. Il te dit renonce à l'argent. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Viens voisin, renonce à toi. Renonce à toi. Le deuxième qui veut suivre Jésus, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Ici, ça parle de l'attachement émotionnel. Et Jésus lui dit quoi? Là, comme le seul verset n'a pas fini. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Lui, ce n'est pas la matière. Lui, il ne cherchait pas à dormir dans un endroit douillet. Il aimait son papa. Ses frères. Non, ce que Jésus a dit là, c'est vexant. Ton papa est décédé, tu vas aller l'enterrer. Jésus, je crois que tout le monde aurait aimé que Jésus lui dise, oh, Yako, tu avais dit que ton papa, il n'a même pas demandé à Jésus une consolation. Il a juste demandé à Jésus, je veux te suivre, mais comme mon père est décédé, je l'enterre, et puis demain, où vous serez là, je vais vous retrouver là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Jésus le regarde.
Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire, toi, ton papa, on dit, c'est le mort des gens. Ah, Jésus! Laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça veut dire, toi, toute ta famille, là, ils sont morts. Laisse-les enterrer. Leur mort, ce n'est plus ton mort. Et puis toi, là, viens annoncer le royaume de Dieu. Jésus a attaqué son âme. Alléluia! Oh, mais c'est le même Jésus qui a dit, honore ton père et ta mère. C'est le même Jésus qui a dit cela. Non, Jésus n'est pas contre tes parents. Mais souvent, l'attachement émotionnel à des gens, à des personnes, nous fragilise. Jésus est plus attaché à tes parents que toi, tu ne l'es. Jésus les aime plus que tu les aimes. Seulement, si ton âme est trop abattue, trop attristée, tu auras des problèmes pour entendre la voix de Dieu. Quand ton âme est trop attristée, tu n'entends plus Dieu. Quand ton âme est attachée à des choses, tu n'entends plus Dieu. Tu ne pourras pas entendre la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, suis-moi. Amen, amen, amen. Et le troisième, lui, dit, va les dire au revoir. Non, c'est lui-même qui me fait un peu rire, quoi. Jésus dit, il voulait suivre Jésus. Il dit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, je te suivrai. Ça, c'est notre prière de tout à l'heure. Je te suivrai, Jésus. Il dit, ok. Mais il dit, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Prendre congé, ça veut dire, leur dit au revoir. Leur dit, excusez-moi, je ne serai pas là pendant une période. Regarde ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Il dit, même au revoir. En fait, je crois que ces trois personnes, leur moi, le premier, son moi était attaché au matériel. Le deuxième, son moi était attaché à la famille, aux émotions. Le troisième, son moi était rattaché au protocole, à la manière de faire. Quand vous voulez marcher avec Jésus, il faut que vous renoncez. Vous savez, il y a des gens qui arrivent. Vous allez souffrir. Si les choses ne sont pas faites comme vous, celui qui va aller prendre congé, là, c'est un monsieur qui est protocolaire. Il s'est dit que tu ne peux pas partir sans aller voir tes parents pour dire excusez-moi. Vous savez, c'est pas poli, c'est pas respectueux. Il faut prendre congé. Je dis, mais Jésus, tous ces trois-là, aucun n'a un péché. Ça dit que tu ne dis pas aux gens, non, laisse le vol. Non, 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 non. Ce que Jésus dit là, ce sont des choses qui ne sont pas péchés, quoi. Ce sont des bonnes attitudes que Jésus même recommande. Et maintenant, il dit à un gars, il faut que tu renonces. Vous savez, le moi, beaucoup de gens n'arrivent pas à marcher avec Jésus. Parce qu'il y a des choses auxquelles Jésus vous demande de renoncer qui ne sont pas péchés. Il y a le péché, ça, le péché, on ne parle même pas là, il faut quitter l'impudicité. Ce message s'adresse aux chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Et une fois que tu as compris ça, il va te sauver. Il va te donner la vie au centuple. Mais il faut que tu renonces. Pour que tu renonces. Pour que tu dises, c'est vrai. Pour Jésus, je vais renoncer à mon protocole. Alors, c'est quoi le protocole? C'est quoi les gens de choses? Par exemple, il y a beaucoup de frères qui n'arrivent pas à s'associer avec d'autres frères, marcher avec Jésus, les chrétiens, là, pour pouvoir servir Dieu. Parce qu'ils n'aiment pas la manière de faire des autres. Un petit garçon qui arrive, il t'appelle directement par ton prénom. Sans dire, vous. Tu veux l'éduquer, tu veux refaire son éducation. Renonce. Ton moi est trop attaché à l'éducation. Dans ce monde-là, tu rencontreras des gens sans éducation. Parce que Jésus est venu pour sauver les gens sans éducation. Jésus est venu sauver pour les gens qui sont impolis, les gens qui sont polis. Jésus est venu sauver les gens qui ont des protocoles, les gens qui n'en ont pas. Si tu veux suivre Jésus, tu vas rencontrer des gens de ce genre. Tu vas arriver à l'église. L'église-là, on rencontre tout le monde. Être pasteur. Ils sont des protocoles. Quand ils veulent le passer, j'aime bien ça, mes fils. Il ne veut pas que quelqu'un veuille m'appeler par mon prénom. Moi-même, ça fait les protocoles. Ils réagissent en même temps au cas de tout. Je dis, calmez-vous. Je ne suis pas attaché au titre. Ça ne me fait rien. Mais s'il vient m'appeler, c'est plutôt compassion. Mais qu'est-ce que ça fait même si on ne m'appelle pas par mon prénom? Est-ce que je ne m'appelle pas Mohamed? Bon, sauf en Égypte, je ne dois pas m'appeler Mohamed. Oui, 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 le passé m'a dit là-bas. S'ils entendent passer Mohamed, ils ne vont plus me laisser rentrer en Égypte. Ah oui. Donc là-bas, on m'appelle Pasteur Sanogo. Ben, Sanogo, on ne sait pas si c'est musulman ou c'est truc. On dit, comment est Mohamed, pasteur? Ok, gloire à Dieu. Bon, les gars, n'envoyez pas ça en Égypte, pardonnez. Okay. Amen. Dis avec moi, je renonce
Vous voulez être heureux, renoncez à vous-même. Apprenez, ayez du zèle pour Dieu et tu vas rencontrer ton moi. Tu vas rencontrer des choses que tu ne supportes pas, de par ton éducation, de par ta culture, de par tes habitudes, de par les endroits où les gens t'ont logé, de par la manière avec laquelle tu as l'habitude de vivre. Tout ça, c'est toi. C'est toi. Toi, tu es poli, mais tout le monde n'est pas poli. Renonce à toi. Vis avec des gens qui sont bizarres à cause de Dieu. Toi, tu es prévenant, mais renonce à ça. Vis avec des gens qui ne sont pas... Dieu nous a vus, les prévenants, les non-prévenants, les éduqués, les non-éduqués, les polis, les non-polis, les ordonnés, les désordonnés. Et il nous a aimés, il est venu nous sauver. Tu veux suivre Jésus? Renonce à toi, parce que lui, là, lui Jésus, là, il va vers les gens pauvres, vers les gens sans éducation. Il va vers tout le monde. Et maintenant, tu dis, je vais te suivre. Donc, est-ce que quand il va arriver, celui-là, pour le sauver, tu seras avec lui? Tu n'as pas supporté son caractère. Quelqu'un qui veut suivre Jésus doit se dire, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs. On n'a pas dit que tes principes et tes valeurs sont mauvaises, mais on dit, mais non, c'est complet, renonce. Ne sois plus vexé. Comment tu sais que ton moi est vivant? Ce sont les susceptibilités, les frustrations. Ce qui m'a fait, ça m'a blessé. Qu'est-ce qui t'a blessé? Il m'a donné rendez-vous à 18h. 18h arrive, même un petit coup de fil pour me dire qu'il arrive en retard. Pasteur, est-ce que tu t'imagines? J'ai des choses à faire sur la terre. Je suis occupé. Il me dit 18h. Tu sais à quelle heure est arrivé? 22h30. Est-ce que ça c'est chrétien? Est-ce qu'un chrétien, quand Jésus dit d'avoir une parole, lui il a dit 18h, il fait 22h30. Est-ce que c'est sérieux? Non, le frère, ce qu'il a fait, si Jésus l'attrape, Jésus va lui dire aussi, renonce à ton retard. Mais toi, renonce à ta colère quand les gens sont en retard. Laisse la compassion de Dieu. Tu sais que ce sont tes principes qui te font souffrir. C'est ce qui te fait souffrir. Si tu renonçais à cela, tu n'allais pas être du tout en colère et tu lui aurais dit avec beaucoup de joie et de politesse, mais le retard, ce n'est pas bon. Mais déjà, tu es hors de toi. Qui est en colère? Toi, toi, toi. Alors, si ton âme est capable de t'emporter, c'est qu'à un moment donné, tu ne pourras pas suivre Jésus. Parce que quand il va aller vers eux, tu vas dire, je ne peux pas te suivre, Jésus. Je ne peux pas te suivre. Parce que ce gars-là, moi, je lui envoie une gifle. Est-ce que tu sais Jésus? Jésus dit, suis-moi. Est-ce que je vais les gifler? Non. Donc, toi, suis-moi. Mais je vais te suivre, mais des gens comme ça, là, il faut leur dire 4 mots ici. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Les petits. Tu veux me suivre? Renonce à toi-même. Moi, Jésus, là, je suis la perfection, l'ordre, l'organisation, la compassion. Mais j'ai renoncé à tout le paradis beau, courtois, où les anges te respectent comme pas possible, où tout est à sa place. Et je suis venu dans votre embrouillement terrestre. J'ai renoncé à mes valeurs. J'ai renoncé à la beauté du ciel. J'ai renoncé à l'organisation du ciel. J'ai renoncé à la propreté du ciel. J'ai renoncé à des anges à mon service. J'ai renoncé à tout ça pour que les gens soient sauvés. Est-ce que tu veux me suivre, moi? Alors, si tu veux me suivre, toi, tu tiens à la propreté. Toi, tu tiens à l'organisation. Toi, tu tiens. Mais les gens que je vais sauver, certains sont propres, d'autres ne le sont pas. Certains sont polis, d'autres ne le sont pas. Certains sont courtois, d'autres ne le sont pas. Certains sont éduqués, d'autres ne le sont pas. Mais j'ai renoncé. Est-ce que tu peux renoncer à toi? Et puis on va aller. Qui veut renoncer à lui? Amen. Donc si ton moi aussi est désordonné, il faut renoncer au désordre. Amen. Tu peux t'asseoir un peu. Si ton moi est impoli, il faut renoncer à l'impolitesse. Si ton moi est très poli, apprends à supporter les impolis aussi. Tu vas voir que tu seras heureux. Donc quand on va, si tu veux marcher avec Jésus, présente-lui ça. Je t'assure, ça va te sauver. Ça va sauver ton foyer. Parce que quand tu vas vouloir sauver ton mari, il y a des choses auxquelles tu vas renoncer. Parce que vous êtes toutes. Est-ce que vous savez que les palabres viennent parce qu'il y a des choses auxquelles on tient? C'est pourquoi on se bat. Hein? C'est à cause de ça, c'est tout. C'est le moi qui fait qu'on se bat. Renonce à toi. Et tu marcheras avec Jésus. Tu vas entendre la voix de Dieu. Comment sauver ton foyer? Comment aider tes enfants? Comment aider les gens? Il faut juste que tu prennes une décision. Je renonce. Dis avec moi, je renonce. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce que c'est difficile? C'est trop facile. Ça te brûle un coup et puis c'est fini. Amen, amen. Moi, je trouve que c'est facile. Deuxième chose. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Ça ne veut pas dire la même chose. Alléluia. Dis avec moi, je me charge de ma croix. Amen. Alors, se charger de sa croix, je vais dire Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, c'est la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Vos amen ne sont pas bien. Hein? Après, je te révèle le secret du bonheur. Le bonheur, c'est de suivre Jésus. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de vrais pâturages. Je suis en train de t'expliquer, quand vous voyez les guerres là, dans le monde, là, c'est le moi, c'est juste l'orgueil. La guerre, c'est l'orgueil. Pourquoi moi? Il me fait ça. Et la Russie ne peut pas perdre. Les États-Unis, mais vous tuez des gens. L'orgueil. Si on perd, c'est nous les États-Unis, on supporte l'Ukraine. Juste la fierté. Mais des vies sont, des enfants sont en train de mourir, des quartiers sont en train d'être cassés. Le moi remplit les gens, l'ego. L'ego. Ça rend les gens méchants. Attachés à des biens à cause de l'argent, à cause de la matière. Et ça nous rend malheureux sur la terre. Ça nous rend malheureux. Mais une autre chose encore pour suivre Jésus, c'est la croix. Se charger de sa croix. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alors souvent, la croix est perçue à juste titre comme étant une forme de souffrance. Mais la croix, ce n'est pas n'importe quelle souffrance. Écoutez, dans la vie, on souffre, tout le monde traverse des temps de souffrance. La croix, c'est une manière particulière d'aborder les moments difficiles. C'est un état d'esprit. La croix, ce n'est pas un événement. La croix, c'est un état d'esprit lorsque survient certains événements dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Se charger de sa croix, c'est un état d'esprit lorsque survient certains événements. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se chargent, c'est-à-dire que la croix arrive. La croix, c'est la douleur. Il y en a qui se chargent, c'est-à-dire qu'ils portent la croix. Et puis, il y en a d'autres, c'est pas, ils ne portent pas la croix. La croix les porte, c'est-à-dire la croix même. C'est-à-dire qu'ils subissent la croix. La croix, c'est-à-dire la souffrance. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas la douleur. La douleur les transporte jusqu'à les déposer, ça va où? Et la douleur te prend comme ça. Elle t'entraîne de problème en problème. Là où elle t'a laissé par la miséricorde de Dieu. Là, tu t'en sors. Tu n'as pas porté la croix. La croix t'a porté. On dit si quelqu'un veut venir après Jésus, alléluia, qu'il se charge. C'est-à-dire qu'il faut gérer la situation. La croix, c'est un management d'un événement. Celui qui est managé par la croix ne s'est pas chargé de sa croix. La croix arrive toujours. Dans la vie, que vous le voulez ou pas, vous allez la traverser. Nous tous qui sommes ici, la plupart, on est d'un certain âge. On a déjà traversé des croix. Mais la croix, l'avons-nous portée ou elle nous a portée? Alléluia. Gloire à Dieu. Que cette parole te donne le courage de la porter dorénavant, de la porter au nom de Jésus. Alors la croix, c'est beaucoup plus l'aspect de ce que va subir, de ce qu'a subi Jésus. La croix, c'est l'autel qui crie en ta faveur. La croix, c'est la fin de toutes les malédictions. Colossiens chapitre 2, verset 13. La Bible dit, il a annulé toutes les condamnations en les clouant à la croix. Pourquoi certains chrétiens subissent encore les effets des malédictions parentales, des descendances? Pourquoi ils subissent, mes amis? C'est un problème de gestion de la croix. Quand les personnes se l'ont dit, pourquoi tu ne te maries pas? Je ne me marie pas parce que maman ne s'est pas mariée. Ce sont des liens de famille. Je t'assure,
C'est un problème de gestion de la croix. L'œuvre de Christ est parfaite. Mais nous tous, nous n'abordons pas la croix de la même manière. C'est une affaire de gestion de la croix. Les malédictions cessent à la croix. Alléluia. Tu vis ton nouvel homme en Christ à cause de la croix. C'est-à-dire que toutes les promesses de Dieu là deviennent oui et amen si tu portes la croix. Mais si tu es porté par elle, si c'est elle qui est en train de te détruire, qui te transporte, c'est pas évident. Tu peux ne pas sentir les effets de la croix, la puissance qui est dans la croix. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 6, dit ceci. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Quand on parle du vieil homme, c'est de ta vieille nature qui a été crucifiée. Maintenant, si tu n'acceptes pas ça pour ne plus vivre selon le péché, c'est comme si ça ne fonctionne pas. Donc les problèmes, beaucoup de problèmes de ton vieil homme, de ton passé, parce que c'est ton vieil homme qui descend d'un tel. C'est ton vieil homme qui descend. Quand on dit ton vieil homme, ce n'est pas seulement ta chair. Ça parle de toutes tes origines. La croix, quand Dieu dit, il faut te changer de ta croix, là, c'est le moment où il finit avec ce problème. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est quoi la croix? Se charger de sa croix, hein? La croix de Jésus. La Bible dit, Jésus ayant vu la joie qui lui était réservée. Amen. La croix, c'est voir la joie qui t'est réservée. Écoutez, après ce que je vais t'expliquer, la joie qui t'est réservée, c'est une manière de voir la souffrance, de voir la honte, de voir l'humiliation. Jésus ayant en vue, dit, je vois la victoire. Alors, écoutez, quand on va enterrer un mort, dans notre esprit, c'est la fin du film. Mais il y a un autre enterrement qui n'est pas la fin. Il y a un autre type d'enterrement où il y a mort. Mais il y a, parce qu'il y a un espoir qui transporte cet enterrement-là, naît la vie en abondance. C'est ce qu'on appelle planter une chose, planter un grain. Les deux se ressemblent. Enterrer un mort et puis planter un grain. On ouvre la terre et on met le grain. Alléluia. Et le grain meurt. Mais de l'enterrement d'une personne qui est partie, on ne s'attend pas à ce qu'une vie ressorte. Mais quand on va planter un grain, on s'attend à un arbre. Dans les deux cas, il y a enterrement. Mais il y a un enterrement qui donne la vie en abondance. Il y a un enterrement qui est définitif. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. En fait, la différence entre les deux, c'est l'état du grain quand tu l'amènes. Si ton grain est mort avant de l'enterrement, il ne va pas repousser. Il faut que ton grain soit vivant. Il faut qu'il meure dans la terre pour donner les arbres. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que il y a des chrétiens que le monde tue même. C'est-à-dire qu'ils sont déjà morts. Et puis ils disent c'est la croix. Ce n'est pas la croix. Hein. La croix, là, c'est quand tu es encore un peu vivant. Alléluia. Et puis tu acceptes d'être enseveli pour ressortir plus glorieux. Mais d'être enseveli par quoi? André, mon message ne vous plaît pas. Hein? Mais frère, je vous donne les vrais docs. Vous voulez la voie, je dis que tu vas voyager. Moi, je t'explique comment on fait pour voyager. Comment on fait pour être épanoui? Comment on fait pour être heureux? Il faut mourir un peu avant. Amen. Alléluia. Non, parce que quand je parle de la croix, dorénavant, je veux que quand on parle de la croix, on soit souriant. Yes. Vive la croix. Les gens ont peur de la croix. Je veux changer ton appréciation de la croix, quoi. Que tu... Bon. Amen. Bon, comme vous avez les masques. Il y a beaucoup qui n'ont pas les masques. Hein. Bon, c'est pas grave. Le vide zéro est fini. Amen. Bon, je ne sais pas si la loi est élevée, hein, mais bon. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni par Jésus. Alléluia. Alors donc il y a une différence entre les deux. C'est que le grain qu'on va semer, il est vivant avant qu'on le sème. La mort, c'est que la chose est morte avant d'être semée. Ok? Et elle ne donne pas de fruit parce qu'elle est déjà morte. Ça produit rien. L'autre, c'est quand on est vivant, qu'on va dans la terre. Dans la terre, on meurt. Mais cette mort-là produit la résurrection. C'est ça la croix de Jésus. Jésus
Amen. Il transportait une vision. C'est-à-dire qu'il a regardé, la Bible dit, ayant vu la joie qui lui était réservée, il a méprisé la honte, l'ignominie, s'est chargé de sa croix, s'est voir dans les souffrances, j'ai dit le type de souffrance qui arrive, comme un moyen pour Dieu de t'élever. Si tu vois ça, ta souffrance va te changer en tremplin. Mais si tu vois les douleurs comme étant ta fin et que Dieu t'en sorte, si elles peuvent te tuer et sans suite, mais cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Alors, dans la pratique, c'est quoi la croix? La croix de Jésus, ça a été l'abandon. L'abandon des gens. C'est ça la croix. La croix de Jésus, ça a été l'abandon. Les disciples l'ont abandonné. Quand Jésus dit « charge-toi de ta croix », c'est-à-dire qu'il faut savoir que des gens qui te sont proches peuvent t'abandonner. Jésus a été trahi, se charger de sa croix. Ça se préparait. Même si on me trahit, si les gens m'abandonnent, demain je vais les regarder et je vais sourire avec eux. Quelqu'un que la croix porte, il garde, il est amer. C'est-à-dire, écoutez, tout le monde est trahi une fois dans la vie. Qui n'a jamais été trahi? Qui lève la main? Qui a déjà été trahi? Levons la main. Qui n'a jamais été abandonné? Qui a déjà été abandonné? Voilà. Alléluia. Bon, maintenant la différence. Tout le monde a déjà été abandonné. Tout le monde a déjà été trahi. Tout le monde a déjà été honné. La victoire va se passer dans la façon dont j'aborde le sujet. Donc, que tu le veuilles ou pas, on va t'abandonner un jour ou on t'a déjà abandonné. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Tu en fais quoi? C'est une opportunité de grâce. Donc, il ne faut pas penser que si tu fuis la croix, tu vas éviter plus péché. Oh, non, que tu veux, tu vas subir. Tout le monde meurt. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand vous avez du zèle pour servir Dieu, et que vous venez à l'église, je veux servir, je veux un vase d'honneur, je veux servir. On dit, tu veux servir dans quoi? Je rentre dans les chantres. Dans les chantres, là. Tu vas porter ta croix. Oh, tu t'amuses, tu vas voir. Les gens, regardez, la croix de Jésus, c'était les mensonges d'accusation. Les gens regardent Jésus et puis on dit, lui là, c'est un voleur. Et Jésus les regarde. Il ne voit pas l'accusation, mais il voit que vos injures feront de moi quelqu'un de grand. C'est ça la mentalité de la croix. On va t'injurier, mais si ça te fait mal jusqu'à ce que tu veux abandonner tout le monde, à cause de ça, tu es sorti du département. Tu as rejeté ta croix. Tu l'as remise à plus tard. Elle va t'attraper encore plus tard. Ça va te laisser à l'église. Ça va te trouver au cabinet où tu travailles. Oui. On va t'envoyer une croix là-bas. Les gens t'abandonneront. On va mentir sur toi. On va mentir contre toi. On va le dire. On va dire que tu as fait des choses que tu n'as pas faites. On va te traiter comme ça. On va le faire. Amen. Mais si on te traite pour une chose que tu as déjà faite, il faut te repentir. Ça, il ne faut pas dire non, ça c'est la croix, ça c'est pas la croix. Et tu as volé, on dit tu as volé, tu dis, fausse accusation, ça c'est pas la croix, mon frère. Il faut te repentir. Amen. Je dis, tu n'as pas volé. Et on vient dire, tu as volé. Tu n'as pas menti. La croix, c'est porter sa croix, c'est regarder ces choses en face et de laisser. Tu dis, Seigneur, tu vas te saisir de cette opportunité. La croix, là, quand vous la refusez, plus vos problèmes vont s'augmenter. Si tu veux suivre Jésus, sache-toi de ta croix. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Un jour, il y a une fausse réputation, une fausse rumeur qui a circulé sur moi, que j'avais détourné de l'argent. Et je voulais me défendre. Parce que je n'avais pas pris l'argent. Je voulais aller voir. Amen. Je voulais aller voir pour dire non, ce n'est pas moi. Que voilà ce qui s'est passé. Mais, quand je voulais partir pour justifier, j'avais totalement raison. C'était très facile à justifier. L'esprit m'a dit, ne parle pas. De quoi? Il dit, tais-toi. Porter sa croix,
Quand les gens étaient en train d'insulter Jésus, regardez Jésus, il n'a rien dit. Il dit, tais-toi. Jésus dit de me taire. Il y a des certaines fois, vous allez devoir défendre la justice. Mais quand vous sentez que c'est la croix, l'Esprit a voulu de vous taire. Parce que tu vois que plus tu veux te défendre, plus ça te rend irritable. Tu dis des choses qui ne sont pas bien. Plus ça change ta personnalité. Plus ça te transforme en quelqu'un que tu n'es pas. Ça te fait un gars doux, tu deviens un gars violent. Quand tu vois que ce qui va sortir de toi est plus, c'est hors de, c'est pas, renoncer. Porte ta croix. Et l'Esprit m'a dit, il dit, pourquoi tu veux te défendre? J'ai dit, mais Jésus, parce que je suis un prédicateur de la sainteté. C'est moi qui prêche, vivez droit. On me prend aujourd'hui pour un voleur. Il faut que j'aille défendre. Il dit, tu vois, c'est pas moi que tu veux défendre, c'est toi que tu veux défendre. Renonce. J'ai dit, Jésus, j'ai laissé comme ça. Il dit, vas-y, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et j'ai laissé le bruit. Sans me défendre. Et j'ai dit, tu dois faire quoi? Il dit, continue de prêcher. Et je dois faire quoi? Il dit, continue d'embrasser ses frères. Continue. Continue de le faire. J'ai dit, mais je ne peux pas. Une fois que je suis arrivé à la réunion, des gens qui m'ont torpillé devant mon pasteur, ils étaient là. Et eux-mêmes, ils savaient qu'ils m'avaient torpillé. Moi aussi, ils savaient qu'ils m'avaient torpillé. Nous tous, nous savions. Et nous nous retrouvâmes. Il dit, je leur ai dit trois mots. Il dit, non. Qu'est-ce que j'ai fait quand je portais ma croix? À la croix, j'ai fait bise à Judas. Quelle est la bise? Avec bonheur. Sans hypocrisie. Ah. Donc j'ai fait atout. Mon premier atout que j'ai fait là, c'est qu'il dit dans mon cœur contre le frère. Il dit, toi là, quand je suis entré à la maison, l'Esprit m'a récupéré. Il dit, tu as dit quoi dans ton cœur quand tu lui faisais les atouts? Tu as dit quoi dans ton cœur? J'ai dit, ah Jésus, au moins je ne l'ai pas insulté vis-à-vis. Il dit, j'ai fait un effort. Il dit, oui, c'est un petit effort, mais renonce-y. Aime-le. J'ai dit, comment je peux aimer un gars comme ça? Et c'est là que vous allez voir le troisième point, faire les choses par l'Esprit. Vous allez être surpris de voir que derrière votre blessure, la vie que Dieu a mis en vous va commencer à parler plus fort que vos souffrances. Jésus est en toi. Il a juste besoin que ton moi se taise. Alors pour l'exciter, il y a des événements qui vont se produire pour l'amener. Et puis dis tais-toi. Et puis la voix de Dieu va commencer. C'est comme ça que vous allez commencer à... La Bible dit la parole de Dieu est puissante plus qu'une éclat d'autres gens pour séparer âme et esprit. Elle va faire taire la voix de tes émotions. Et puis faire paraître la voix de l'esprit. Si vous n'apprenez pas à marcher avec Jésus, vous ne pouvez pas écouter la voix de cet esprit. De temps en temps, vos douleurs vont parler plus fort que la voix de Dieu. Vos envies parleront plus fortes que la direction du Saint-Esprit. Tu vas voir quelqu'un, ta chair va tomber amoureuse de lui. Ta chair va te dire que c'est l'homme de ta vie. Si tu as appris à marcher avec Jésus, à renoncer à toi-même, malgré que ta chair soit attirée, tu vas entendre la voix de Dieu pour te dire, warning, le gars là, il est beau, mais danger, 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 danger. Hein? C'est parce que il y a des soeurs, elles ne sont pas mortes. Tu n'as pas pris ta croix que tu es tombé amoureuse du diable. Et plus tard, 2 ans, 1 an de mariage, ils disent, qui m'a dit d'entrer ici? C'est ta chair. Tu as refusé. Ta chair t'a trompé. Parce qu'à l'époque, quand tu venais à l'église, tu es rempli de toi. Tu as quitté les départements, tu quittes les groupes. Tu es trop rempli de toi. On ne peut pas t'insulter. Dès que tu es vexé, tu changes les départements. Dès que tu es frustré, tu changes. Jésus n'arrive pas à te crucifier. On te cherche pour te crucifier. Toi, tu changes seulement. Tu as changé d'église. On dit, mais on te pousse. On dit, viens, la croix. Non, je quitte. Je quitte les chantres. Je quitte. Toi, tu quittes seulement. Tu dis, non, moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne veux pas qu'on me verse. Les gens, ils sont ici. Je peux pas. Non. Moi, je veux suivre Dieu à ma manière. Tu veux suivre Dieu à ta manière. Quelle ta manière? Non, quand moi, j'arrive là-bas, moi, je suis un gars ponctuel. Quand j'arrive, je veux que les choses soient correctes. Mais on est venu sauver des gens incorrects. Alléluia. Les gens incorrects. Donc, ils sont là. Pourquoi tu es surpris de les rencontrer? Jésus est venu sauver les incorrects pour les rendre corrects. On n'a pas dit de rester avec ce qui est mauvais. Mais on peut changer les choses. C'était ça la foi de Jésus. Suive Jésus. On n'a pas dit fait que Jésus te suive. Toi, c'est toi qui le suis. Et lui, il va chez les incorrects pour les sauver. Est-ce que tu peux le suivre chez les incorrects pour l'aider à les sauver? C'est ce qu'il te demande. Et pour ça, il faut que tu renonces à ta manière de voir le monde et que tu commences à percevoir sa façon de voir. Tu vas voir que lui, quand il voit les gens, il ne voit pas seulement leurs défauts. Il voit ce que Dieu a déposé en eux et ce que Satan a fait d'eux. Et il va chercher la valeur en eux. Mais toi-même aussi, en le suivant, tu meurs à tes défauts.
et tu permets à la vie divine de se manifester. Que Dieu te bénisse abondamment. Charge-toi de ta croix. Charge-toi de ta croix. Charge-toi de ta croix. Alléluia. Charge-toi de ta croix. Quand les blessures te rendent amères, aigris, haineux, tu n'as pas réussi ta croix. Aujourd'hui, arrête que la croix te charge. Descends. Et puis décide. Jésus va t'aider. Il y a une force qui va le faire. Amen. Et puis il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suive Jésus. La troisième étape, suive Jésus, c'est très simple. C'est faire ce que Jésus fait. Marcher avec. Jésus se réveille tous les matins pour prier. Fais l'effort, lève-toi pour prier. Il lisait la Bible, lis la Bible. Il allait de village en village prêcher Jésus. Va dans la rue, parle de Dieu. Va au travail, parle du Seigneur aux gens. Fais ces trois choses-là. Amen. Alléluia. Renonce à toi. Charge-toi de ta croix. Prie, médite, évangélise. Fais ça. Suive Jésus. La troisième étape, c'est ça. Prie, parle de Dieu autour de toi. Lis ta Bible. C'est ce que Jésus faisait. Méditation, prière, évangélisation. Voilà. Donc, suivre Jésus, c'est ça. Renoncer à soi, se charger de sa croix, suivre Jésus. Ces trois choses-là, c'est ce qu'on appelle marcher avec Jésus. Amen. Si tu fais ça, tu marches avec Jésus. Je veux marcher. Je veux marcher sur... Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras. Si tu veux marcher avec Jésus, tiens-toi debout. On va faire cette prière par rapport à ces trois points du jour. Mets la main sur le cœur. Alléluia. C'est un épisode qui revient à chaque cycle de vie. Chaque fois que Dieu veut te faire passer à plus de fruits, la Bible dit démonte. Donc, chaque fois que vous allez voir que vous sentez comme s'il y a un appel de croix qui commence à venir, c'est que Dieu s'apprête à faire monter vos fruits. Et votre vie va devenir encore plus glorieuse. Vous allez passer à un autre niveau de gloire. Donc, tu vas avoir des événements qui vont t'amener à renoncer à ton confort, à tes attachements émotionnels, à tes protocoles personnels. Et tu dois, à cause de Dieu, à cause des intérêts du royaume, renoncer. Accepter la honte, le rejet, l'humiliation qui peuvent s'en suivre.
mais pas simplement accepter, mais sachant que toute cette souffrance va être changée en gloire. Elle est voulue par Dieu parce qu'il va t'amener très loin. Le temps est arrivé pour toi de passer un niveau de fruit différent. Tu passes à une autre étape. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui vivent ce dont j'ai parlé maintenant. Dieu t'a fait entendre ça parce qu'il t'amène ailleurs. Vous passez à un autre niveau. Vous passez à un autre niveau. La croix de Christ n'est pas une mort. Elle précède une grande résurrection. Ta résurrection est sur le point d'arriver. Aujourd'hui, juste change l'axe de vision de tout ce que tu as souffert jusqu'à aujourd'hui. Vois ça comme un tremplin vers ta destinée. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai pris la décision. De marcher avec toi. Ce n'est pas à toi, de me suivre, mais à moi, de te suivre. Jésus, je renonce à tout ce qui fait mon moi, mon orgueil, ma sensibilité, mes émotions. Jésus, j'y renonce. Seigneur, je me charge de ma croix. Jésus, tu as eu besoin de l'aide du Saint-Esprit pour affronter ces moments difficiles. Moi aussi, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta force. Afin que ce qui me fait mal, je puisse le regarder en source de joie. Je vois ta gloire. Je vois la gloire. Je vois ta prospérité. Je vois ta lumière se manifester dans ma vie. Et j'accepte de renoncer à moi, de me charger de ma croix et de te suivre. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors dimanche prochain, on va faire marcher. On va faire quoi dimanche prochain? Marcher devant sa face. Amen. C'est très passionnant. Alléluia. On va marcher devant la face du Seigneur. Et si Dieu permet, on pourra faire le troisième point. Amen. Parce que ça, c'est un message tiré d'ici. Et le mois de mai, on est plutôt dans la bénédiction numéro 5, qui est vaincre les 5 types d'avatars ennemis. Amen. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes de reconnaissance. Si tu veux, le message t'a béni, Dieu t'a parlé, tu veux lui dire merci, tu veux être reconnaissant pour la parole, tu vas préparer une offrande d'action de grâce. Et c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont des vœux à honorer, qui veulent donner pour la construction, de le faire. Et je profite de ce moment de don pour vous rappeler l'importance d'apporter la dîme au Seigneur. Pas de payer la dîme, mais d'apporter la dîme. Hein? La Bible n'utilise pas trop l'expression « payer la dîme ». Mais donner, apporter au Seigneur la dîme. Alléluia. La dîme est la marque de consécration que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et c'est très important de le marquer. Si Dieu m'a fait la grâce d'avoir 1000 francs CFA, tous les 1000 francs sont à lui. Amen. Mais je marque cette chose-là en amenant déjà 100 francs dans sa présence. Amen. Si Dieu m'a fait la grâce d'avoir 1 million, 100 000 francs dans sa présence. La dîme. C'est une manière de dire, Seigneur, toutes choses sont à toi. Voilà ce que j'amène pour apporter au Seigneur nos dîmes, toutes les dîmes et les offrandes. Amen. Nous voulons donc apporter avec joie au Seigneur. Et pendant que nous apportons nos offrandes, en ligne comme en présentiel, nous allons suivre les Good News. Amen.